Le bilan est énorme. Lorsque vous verrez cette vidéoconférence, commencez d'abord par la protéger avec un maximum de cœur. Les Russes ont encore infligé un bilan lourd et massif aux Alliés. Oui, il y a des milliers, des centaines d'hommes qui sont partis à jamais dans cette opération spéciale militaire que les Russes sont en train de mener sur le terrain. Je ne peux pas souhaiter cela, même à mon pire ennemi, parce que ce que la Russie a infligé hier, la journée d'hier, le bilan d'hier, chères dames, chers messieurs, c'est vraiment quelque chose de ouf. Non, la Russie a fait parler sa poudre ces dernières 24 heures. La Russie s'est exprimée encore ces dernières 24 heures et ça fait couler assez d'encre, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Je ne peux pas souhaiter ça à un quelconque pays, à une quelconque nation de traverser ce que ces gens sont en train de traverser. Ah oui, parce que ce que la Russie a fait hier, des matériels, des milliards qui ont été ici mis en déroute, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais quand je vais vous donner les chiffres, vous aurez peut-être des vertiges, vous aurez peut-être des céphalées, vous comprenez? Et ça ne sent pas bon pour Kiev. La Russie est décidée d'avancer jusqu'en Ukraine, jusqu'à Kiev. Vous comprenez? Les Russes sont décidés, ils veulent en découdre et finir complètement à arriver, à atteindre la capitale ukrainienne. Mais on se pose des questions. Qu'est-ce qui va rester encore en Ukraine? Parce que là, vous voyez où les Russes sont en train de passer avec leur avancée. Mais on vous dit que les hommes vivants, les êtres humains habitaient là. Vous allez dire non. On vous dit que non, ce sont des humains qui étaient là. Vous allez dire non. Cette zone n'a jamais été habitée. Et alors, Vladimir Poutine, dans sa détermination, tellement remonté qu'il est décidé plus que jamais. Non seulement il crée des nouveaux systèmes d'appareils qui peuvent mettre l'ennemi en déroute, mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il entretient ici ses troupes, il entretient son armée. Et alors, avant d'entrer en profondeur, chères dames, chers messieurs, veuillez vous acquitter à un maximum de pouces bleus. À un maximum, je dis un maximum, rassurez-vous que vous avez partagé cette vidéo dans tous les groupes possibles pour que nos frères aussi puissent être à l'abri de cette information, ils puissent aussi voir et comprendre ceux-là qui discutent encore de la compétence de la Russie sur le terrain, ceux-là qui doutent encore de ce qui se passe sur le terrain, pour que eux aussi puissent écouter, ils puissent entendre réellement ce qui se passe, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et alors, c'est pourquoi je vous prie de partager massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Je suis en bas, je lis vos commentaires. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis en bas et je lis tous vos commentaires. Continuez de partager et de pousser assez de cœur lorsque vous poussez les cœurs. Ça protège la vidéoconférence, ça la rend plus visible, ça la donne plus de visibilité. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Ça s'est passé hier sur plusieurs parties du front. Vous comprenez? Ça s'est passé hier dans plusieurs localités. Kramatov, Kharkiv, dans les alentours de Kharkiv, dans les zones d'Odessa, dans les zones plus précisément proches de Bakhmout. Vous comprenez? Où la Russie a vraiment infligé des pertes inédites. Où le bilan de l'opération pour le 8 mars est vraiment très, 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 très lourd, chère dame. En 24 heures, selon les informations du ministère de la Défense russe, en 24 heures, Kiev a perdu au moins 940 soldats. 940 soldats en 24 heures, chère dame. Ça, c'est un bilan qui donne des vertiges. On vous dit en 24 heures, ton pays a perdu 940 hommes qui ne sont pas partis ici pour une balade. Vous comprenez? Ils sont partis à jamais. Ils ne vont plus jamais revenir. Et c'est pour ça que Zelensky a acheté 260 hectares de forêt qu'il est en train de construire pour un quartier éternel pour ses troupes,
qui ne verront plus, qui ne seront plus de notre monde. Vous comprenez? 260 hectares. Tellement les autres quartiers de repos éternel de l'Ukraine sont bondés. Tellement se plaint. Zelensky a décidé d'acheter encore 260 hectares de forêt qu'il va transformer en quartier ici de repos éternel pour ses soldats. Ce qui veut dire Zelensky n'est pas prêt d'arrêter cette affaire. Il veut finir coûte que coûte avec cette affaire. Et alors, ces hommes partiront comme des chatons. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, ils ont eu 6 chars qui ont été ici mis en déroute par la Russie de Vladimir Poutine. Vous comprenez? 6 chars en 24 heures. Il y a 10 autres blindés que la Russie a mis hors service. 10 blindés ukrainiens qui ont été mis hors service par les Russes. Nous avons 22 véhicules de plusieurs qualités, de plusieurs marques, de plusieurs pays qui ont été mis hors service par la Fédération de Russie, par l'armée russe. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça, lorsque j'entends ça, je ne parviens pas à supporter parce que moi-même, j'ai de la peine à en parler. Nous avons 4 canons automoteurs, donc un PZH allemand. Encore, le système allemand vient d'être mis hors service par la Fédération de Russie. Nous avons 13 obusiers, dont 5M777 et 2M119 des Huisa, chères dames, chers messieurs. Nous avons 3 radars ukrainiens qui ont été mis hors service par la Fédération de Russie. 3 radars mis hors service par les Russes. Ils avancent sur le terrain, ils continuent d'avancer. Nous avons encore 3 bombes guidées. Âme, 4 roquettes de HIMARS interceptées par la Fédération de Russie, bien sûr, par son armée. Nous avons ici 291 drones ukrainiens qui ont été mis hors service par la Fédération de Russie. Et alors, le bilan est énorme. Mais ce qui me dérange dans tout ça, ce qui me donne ici des céphalées, comme je peux le dire, ce sont ces 940 hommes qui sont partis à jamais et que Zelensky a déjà apprêté leur quartier de repos éternel. Vous comprenez? Donc leur quartier est déjà là, ils vont juste aller se coucher tranquillement. Mais pendant ce temps, ils continuent d'appeler les Huisa, ils continuent d'appeler ses alliés pour venir le soutenir. Mais depuis 3 ans, vous avez essayé de faire face à la Russie. Rien ne marche, rien n'a marché. C'est aujourd'hui que tu vas pouvoir t'en sortir, mais jamais, je pense que jamais. Tu pouvais, si bien sûr, lorsque les Russes n'étaient pas encore bondés ainsi sur ton territoire, mais aujourd'hui que les Russes sont pleins sur ton territoire, tu ne peux plus. Tu ne peux plus t'en sortir. Pendant ce temps, tu commandes du matériel, tu demandes du matériel, tu vis sur perfusion. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles. Mais la Russie fabrique, la Russie fournit à ses hommes. Elle produit d'abord assez. Elle produit assez en abondance. Elle donne aussi à ses hommes en abondance. Donc, ils peuvent se placer comme ça et effectuer cette même action au moins pendant 2 ans. Sans repos. Qui paie, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles. Il faut le dire. Il faut aller sur la table de négociation. C'est la seule chose qui peut amener de l'ordre ou bien la paix, ou bien préserver encore le nombre de soldats qui sont là présentement du côté de l'Ukraine, pour qu'ils puissent aussi rester parmi le monde des vivants. C'est de ça qu'il s'agit. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, je vais devoir mettre terme à cette vidéoconférence. Donc je vous prie de vous acquitter à un maximum de partage, parce qu'il y a nos frères qui ne voient pas nos différentes vidéoconférences. Lorsque vous partagez massivement, eux aussi vont voir nos différentes vidéos, et poussez assez de cœur pour protéger nos vidéoconférences. Vous-même, vous avez suivi les mots que nous donnons dans ces vidéoconférences. Ce ne sont pas du tout des mots très bien qualifiés ou bien très bien posés. Donc, nous vous prions de continuer à les pousser assez, à pousser assez de cœur sur ces vidéoconférences. Et n'hésitez pas, bien sûr, de laisser vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez « Salut, état d'urgence ».« Bonjour, état d'urgence ». Et, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles,
Même si vous n'avez pas quelque chose à écrire, faites des cœurs ou bien faites des étoiles en commentaire et vous publiez. Ça protège la vidéoconférence. Ne négligez rien. Taguez même des gens en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Allez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Elle est en train de prendre de l'ampleur. Ah oui, elle prend de l'ampleur. Donc, je vous reviens tout à l'heure, chères dames, chers messieurs, pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus.